Il y a une opposition entre le personnage de Jacob et le personnage de Joseph. Joseph qui est son petit, qui est son fils. Le personnage de Joseph, il est envoyé à l'extérieur. Il va quitter son pays. Le personnage de Jacob, il est renvoyé vers sa famille. Ça n'a rien à voir. Il est renvoyé vers le beau-frère, ou je sais pas quoi. Il va épouser d'ailleurs des femmes de son clan. Donc là, on a deux personnages complètement opposés. L'un qui correspond plutôt à la dialectique Lion-Verseau, c'est-à-dire que le personnage qui va se retrouver au milieu d'étrangers, et lui-même sera l'étranger à ce milieu, comme dans le cas de Moïse, par exemple, ou bien le personnage qui va se retrouver en pleine histoire familiale, et où il va avoir des problèmes avec son frère, avec son neveu, etc. Donc c'est tout à fait différent. Et là, on est dans l'éthique taureau-scorpion. Et ce qui est intéressant, c'est que, paradoxalement, le personnage de Jacob, lui, il incarne des valeurs familiales. Il n'incarne pas la présence juive dans le monde, alors que Joseph, lui, il incarne la présence juive dans le monde.